Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 des couleurs classes. Donc il y aura 9 couleurs sur cet épisode, il n'y aura pas 10 étant donné que Venger et moi on s'est rendu compte qu'on avait fait deux fois la même couleur et que c'est que ces deux couleurs étaient élues meilleures couleurs. Donc il y avait la couleur du Brésil et la couleur rouge, citron jaune et citron vert. Donc ces deux couleurs vraiment identiques. Donc pour ceux qui se demanderaient quand est-ce qu'arrivera le prochain épisode des couleurs classes avec deux couleurs, etc. Et bah écoutez, la saison 2 des couleurs classes commencera d'ici la semaine prochaine. Du coup voilà, c'est parti, on commence avec les couleurs. Donc on va tout simplement commencer avec la couleur saphir, qui était le premier épisode où je vous ai proposé ce concept et vous avez été nombreux à répondre présent et à dire oui à ce concept et à répondre dans l'espace commentaire. Donc pour réaliser cette couleur, vous allez vous rendre dans métallisé et aller chercher le noir métallisé. Une fois cela fait, vous allez vous rendre dans nacré et aller chercher le bleu ultra. Donc une fois ce bleu ultra choisi, donc vous pouvez choisir le bleu ultra ou le bleu racing. Franchement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais le bleu ultra est vraiment beaucoup plus beau. Et après, en couleur des jambes, vous allez mettre un bleu ardoise ou alors vous mettez un autre bleu. Sachez que moi, je donne des idées de couleurs. Après, vous pouvez très très bien les modifier, il n'y a aucun souci. Donc, pour cet épisode, à chaque couleur, je vais tout simplement sortir du LS. En plus, il fait jour pour vous montrer un peu la couleur de dehors, ce que je ne fais pas sur les épisodes habituellement. Mais je pense que je vais faire ça, comme ça vous verrez un peu la couleur et ça n'enchaînera pas directement. Donc pour la deuxième couleur, on va tout simplement s'attaquer à la couleur de Venger. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans dans couleur principale métallisée et vous allez aller chercher le bleu ultra. Donc c'est la première couleur de Venger, c'est pas la deuxième. Vous allez vous rendre dans bleu ultra et en nacré, vous allez mettre du bleu ultra. Donc vous mettez du bleu ultra en métallisé et en nacré. Et pour la couleur secondaire, vous allez vous rendre dans mat et prendre la couleur violet. Sauf que je me suis rendu dans métallisé, mais bon, c'est pas très grave. Vous pourrez prendre le mat ou le métallisé, ça n'a pas d'importance. Vous prenez le métallisé ou le mat, vous mettez du violet et vous avez votre couleur. Après, pour la couleur des jantes, c'est vraiment le même, donc c'est du bleu ardoise. Donc certes, avec cette voiture, ça rend vraiment pas très bien parce que le bleu est vraiment dominant comparé au violet. Mais ça rend vraiment très très bien. Après, vous pouvez très bien inverser et mettre le violet et le bleu juste après, selon vos désirs et votre choix. Moi, je ne vous donne que des idées. Donc pour la couleur numéro 3, on va tout simplement faire la couleur du Brésil qui est la même que la couleur du citron vert. Donc vous allez vous rendre dans métallisé et aller chercher le bleu foncé. Donc le bleu foncé qui est vraiment très très foncé et pas très beau. Et en couleur nacrée, vous allez tout simplement y mettre un jaune racing afin de pouvoir mettre un peu de jaune dans la couleur du Brésil. Donc là vous mettez du jaune. En couleur secondaire, vous rendez dans mat et vous mettez du jaune. Ou alors, vous allez dans métallisé et vous mettez du jaune racing selon votre choix. De toute manière, vous pouvez mettre avec du métallisé ou du mat, ça rend vraiment le même effet. C'est juste que ça reflète pas. Après, c'est selon votre choix. Donc, vous mettez du jaune racing. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai changé les pneus, la couleur des jantes. Je vois pas pourquoi. En tout cas, là, vous voyez la couleur avec la couleur du Brésil. Je vais refaire juste après. Là, je vais vous montrer si vous voulez la couleur citron. Donc soit vous mettez du orange vif ou alors vous allez chercher le jaune racing qui se trouve juste ici et vous le placez. Donc là, c'est la couleur citron, citron vert et aussi la couleur du Brésil. Venger et moi, nous nous excusons encore une fois d'avoir fait exactement les mêmes couleurs à des épisodes différents. Voilà, on aurait dû y penser. Désolé, donc voilà. C'est normal de s'excuser. Enfin bref. Donc pour cette couleur, pour la couleur numéro 4, on va t'attaquer au drapeau encore une fois. Donc on va faire le drapeau de la France. Donc le drapeau de la France, il faudra faire en mat et non pas en métallisé. Donc là, je vous montre bien avec le bleu ce que ça fait avec le Brésil. Et pour la couleur de France, on va tout simplement cette fois commencer par les jambes. Et vous allez chercher du rouge. Donc vous prenez le grenat qui se trouve ici. Vous mettez le grenat en couleur de jante rouge et après vous allez dans peinture, couleur principale, mat, et vous mettez du blanc. Alors mettez le blanc principal et le bleu en secondaire, c'est beaucoup mieux, et mettez du mat et non pas du métallisé parce que avec le métallisé, je l'avais dit dans les épisodes où j'avais fait ces couleurs, que ça rendait vraiment pas beau. Donc du coup,
On va dire que là, que la couleur bleu-blanc-rouge, le drapeau français, rend vraiment très très bien sur la Zentorno. C'est juste incroyable. Et maintenant, on va passer à la couleur que vous avez été nombreux à voter. Vous avez kiffé cette couleur. On va passer à la couleur de l'Algérie. Vous avez beaucoup voté. Vous m'avez beaucoup demandé cette couleur. Donc, pour la couleur Algérie, vous allez vous rendre dans peinture, couleur principale. Vous allez vous rendre dans mat. Vous allez vous rendre dans mat et aller chercher le vert et non pas le blanc. En couleur principale, je préfère le vert. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais pour moi, je mettrai le vert. Et en couleur secondaire, vous mettez du mat blanc. Et la couleur des jantes, vous laissez rouge, ce qui fait penser à la lune, au croissant que vous voyez sur le drapeau. Du coup, vous avez votre couleur d'Algérie qui a beaucoup été sollicitée dans les commentaires. Vous avez été très, très, très nombreux à me demander de la mettre. Dans tous les cas, même si elle n'aurait pas été élue meilleure couleur de cet épisode, je l'aurais mis en couleur bonus. Parce que ça vous tenait vraiment très à cœur à ce que je vois. C'est vraiment incroyable. Après, je pense que c'est normal. Maintenant, on va passer à la couleur de Tron, qui ressemble vaguement à la couleur du saphir, mais pas du tout. Donc, vous allez vous rendre dans métallisé et vous allez chercher le bleu. Vous allez devoir chercher le bleu nocturne et par-dessus y rajouter un nacré bleu ultra. Donc, vous prenez le bleu. Nocturne, vous allez dans métallisé, vous remettez encore une fois un bleu ultra. Donc il y a beaucoup de bleu ultra dans cette série. Et on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Et pour la couleur secondaire, vous allez tout simplement dans métallisé et prenez et vous mettez un bleu ultra encore une fois. Et pour la couleur des jantes, vous allez mettre un bleu vif. Après vous pouvez mettre une autre couleur, mais je vous conseille de mettre le bleu vif. Ça fait ressortir le bleu de la couleur secondaire. Et du coup, bah voilà. Donc là, il va y avoir un petit bug, c'est juste que pendant que j'ai enchaîné toutes les couleurs, j'ai oublié de faire la couleur Superman, donc du coup, il va y avoir une petite coupure, c'est un petit montage, hein. De toute manière, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est juste pour vous montrer la couleur Superman, parce que je l'avais oublié, mais ça ne changera absolument rien, étant donné que vous allez voir quand même la couleur. Donc maintenant, on va passer à la couleur de Superman, donc on va passer dans l'espace peinture, comme d'habitude, on va se rendre dans la couleur principal. Et pour la couleur Superman, on va tout simplement aller chercher du bleu foncé. Je pense qu'il y a eu plus de 120 votes pour cette couleur. Je sais pas vraiment ce qu'il y a eu, mais elle a vraiment vous a vraiment plu. Donc vous prenez le bleu foncé en métallisé et en nacré, vous allez tout simplement y mettre un bleu bleu foncé en métallisé et nacré bleu ultra. Pour la couleur secondaire, vous allez vous rendre dans mat jaune, ou alors vous mettez du métallisé, peu importe, vous mettez du jaune racing, du orange, mais il faut que ce soit du jaune. Et après, pour les jantes, vous mettez des jantes rouges, et après vous avez votre couleur Superman qui a vraiment été kiffée, et vous avez vraiment kiffé cette couleur, c'est juste incroyable. Merci d'être présent en tout cas pour ces épisodes et de voter dans l'espace commentaire. Et du coup, là on va faire le petit tour et vous allez voir qu'on va rentrer une nouvelle fois dans le Los Santos Custom sans que j'y rentre. C'est tout simplement le petit montage parce que j'avais tout simplement oublié, je m'en excuse. Donc cette fois on va passer à la couleur romaine, donc je saute la couleur citron parce que c'est la même que le Brésil. Je vais me rendre dans peinture, vous allez aller dans couleur principale métallisée et vous allez tout simplement aller chercher la couleur crème qui se situe tout en bas. Une fois la couleur crème ajoutée, vous allez vous rendre dans nacré et aller sur le jaune racing. Vous allez chercher le jaune racing et vous mettez le jaune racing. Une fois cela fait, donc avec le bleu ultra, je trouve que ça rend vraiment super beau. Je sais pas vous, mais personnellement, je trouve que ça rend super beau. Et pour la couleur secondaire, vous allez vous rendre dans mat et vous allez mettre un vert olive, ce qui fera ressortir un peu le jaune racing et ce qui donnera une couleur or doré romaine comme le marbre qu'il y avait à l'ancienne. Et pour la couleur des jantes, vous allez mettre du sable du désert et vous avez votre couleur romaine qui est juste sublime, qui a été trouvée par moi. Une partie des couleurs ont été trouvées par moi, Revenge, Venger. Je leur fais une dédicace, je leur remercie de m'avoir aidé pour trouver ces couleurs. Et pour la dernière couleur, on va prendre la couleur du surfeur d'argent qui a pas eu beaucoup de votes. Je pense qu'elle en a eu que 36. C'est très peu je trouve, mais c'est votre choix. Donc vous allez vous rendre dans couleur principale métallisée et vous allez chercher l'argent béton donc qui se trouve au tout début, donc 13/75. Vous prenez l'argent béton et vous allez mettre un nacré blanc glacier dessus et non pas blanc givré, parce que le blanc givré est pas aussi clair que le blanc glacier. Donc vous mettez le blanc glacier. Une fois que cela est fait, vous allez dans
couleur secondaire mat, et là vous mettez la couleur mat que vous souhaitez. Personnellement, je vous conseille de mettre le jaune parce que ça fait vraiment super beau, je trouve. Après, c'est mon avis. Et du coup, voilà, donc j'ai oublié de changer la couleur des jantes, mais avec les couleurs de jantes sable du désert, ça rend vraiment très très bien aussi. Je vais me rendre une nouvelle fois dans le Los Santos Custom pour changer la couleur des jantes. Donc j'avais appuyé trop vite sur B, je m'en excuse. Du coup, vous allez dans la couleur des jantes, couleur jante, et vous allez mettre un jaune racing, et après vous avez votre couleur surfeur d'argent, même si je sais que le surfeur d'argent n'a pas de jaune. De jaune sur lui, mais je trouve qu'avec le jaune ça rend vraiment super beau. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode spécial 20 10 couleurs classe de la communauté, même s'il y en a une œuvre. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez vos commentaires pour dire les couleurs qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Lâchez de nouvelles couleurs dans les commentaires. Et du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.